Alors, ici, ce sont donc les nouvelles phrases. Donc, je suis en. Donc, ici, on fait la liaison. C'est une voyelle. Hein. C'est plus joli de dire je suis en train que de dire je suis en train. Je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. Ici. J'ai mangé la galette et j'ai eu la fève. Mon grand-père a eu 82 ans. Nous avons fêté son anniversaire en famille. Mamo travaille comme mécanicien. Il aime beaucoup son métier. Maintenant, je vais écrire cette phrase. Alors, le J majuscule et le E. Espace, le S, le U, le I avec le petit point et le S. Espace, le E et le N. Une, deux. Espace, le T avec la petite barre, le R, le A qui descend, le I avec le petit point et le N. Une, deux. Espace, le D, c'est comme un O avec la barre qui descend, et le E. Espace, le R, le E, le G, c'est comme un O. Il descend et il remonte. Le A qui descend. Le R. Le D, c'est comme un O avec la barre qui descend. Le E et le R. Espace, le L. On monte et on descend. Et le E. Espace, le M. Une, deux, trois. Le A qui descend. Le T avec la petite barre. Le C et le H. On monte et on descend. Et la petite boucle. Espace. Le D comme un O avec la barre qui descend. Et le E. Espace. Le F. Alors attention, le F. Alors, ici le F. Hop. Le F. C'est comme un L. On monte. On descend, on descend, on descend et on remonte. Le haut. Encore un haut. Et le T avec la petite barre. Espace, le A qui descend avec un accent. Espace, le L. On monte, on descend. Et le A. Espace, le T. Petite barre, le E avec accent aigu et le L qui monte et qui descend. Le E avec accent aigu et télé. Le V, c'est comme un U. Hop, le I, le petit point. Le S, le I encore une fois. Le O qui monte et le N. Une, deux, point. Maintenant, cette phrase. Alors, le J majuscule, apostrophe, le A qui descend et le I, le petit point, espace, le M, une, deux, trois, le A qui descend, le N, une, deux, le G, c'est comme un O, il descend et il remonte, le E, accent aigu. Espace, le L, il monte et descend. Et le A. Espace, le G, c'est comme un O, descend et remonte. Le A, le L, le E, le double T. Une, deux. Et le E. Espace, le E et le T. Espace. Le J, c'est comme un I, descend et remonte.
et le petit point. Apostrophe, le A qui descend et le I. Espace, le E et le U. Espace, le L. Ça monte et ça descend. Le A qui descend. Espace, le F. Le F, ça monte. C'est comme un L. Ça descend, ça descend, ça descend et on remonte. Et le E, accent grave. Le V, c'est comme un U. Hop, et le E, point. La phrase numéro 3, ici. Le M, donc le grand M majuscule. Le O qui monte, le N. 1, 2, espace, le G, c'est comme un O, ça descend et on remonte. Et on fait le R. Le A qui descend. Le N, c'est 2. 1, 2. Et le D, comme un O avec la barre qui descend. Le petit tiré, n'oubliez pas le petit tiré. Le P qui descend. La petite boucle. Le E, accent grave, le R et le E, espace, le A qui descend, espace, le E et le U, espace, 82, donc le 8 et le 2, espace, le A qui descend, le N c'est 2, 1, 2, le S, virgule, le N c'est 2. 1, 2. Le O qui monte. Le U. Le S. Espace. Le A qui descend. Le V, c'est comme un U. Hop. Le O qui monte. Le N, c'est 2. 1, 2. Et le S. Espace. Alors ici, le F. Le F, vous vous souvenez, c'est comme un L. Hein. On monte. On descend, on descend, on descend, on remonte. Le E, accent chapeau. Accent circonflexe, ou bien on dit. Hein. Donc là, le T avec la petite barre. Le E, accent aigu. Espace, le S. Le O qui monte. Le N, c'est 2. Espace, le A qui descend. Le double N, le N c'est 2, on compte, 1, 2, encore une fois, 1, 2, le I, petit point, le V, c'est comme un U, le E, le R, le S, le A qui descend, le I avec le petit point, le R et le E. Espace, le E et le N, c'est 2. 1, 2. Espace, le F. Le F, vous vous souvenez, c'est comme le L. On monte, on descend, on descend, on remonte. Le A qui descend. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Le I, avec le petit point. Le double L, on monte. On monte, on descend. Et le E. Point. La phrase numéro 4 maintenant, ici. Le M majuscule. Le A qui descend. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Le O qui monte. Espace, le T. Le R. Le A qui descend. Le V, c'est comme un U. Hop. Le A qui descend. Le I avec le petit point. Le double L. Le L, on monte et on descend. On monte et on descend. Et le E. Espace. Le C. C'est comme un O, mais vous avez vu, hein, il n'est pas fermé. On fait juste ça. Là, maintenant, je fais le O. Hop, il monte. Le M, c'est 3.
Une, deux, trois. Encore une fois. Une, deux, trois. Et le E. Espace, le M. Une, deux, trois. Le E, accent aigu. Et le C, c'est comme un O qui n'est pas fermé. Le A qui descend. Le N, une, deux. Le I, avec le petit point. Le C, c'est comme un O qui n'est pas fermé. Le I, avec le petit point. Le E et le N. Une, deux. Virgule. Le I et le L. Ici, on va faire le A qui descend. Le I, avec le petit point. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Et le E. Espace. Le B. On monte. C'est comme un L. Hein. On monte, on descend. Et la petite boucle. Le E. Le A qui descend. Le U. Le C comme un O qui n'est pas fermé. Le O qui monte. Le U. Et le P avec la petite boucle. Espace. Le S. Le O qui monte. Le N, c'est 2. 1, 2. Espace. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Le E, accent aigu. Et le T avec la petite barre. Le I, le petit point. Le E. Et le R. Point. Alors, si vous êtes en écriture fragile ou si vous êtes grand débutant, je vous conseille des petits cahiers comme ceci. Des cahiers de maternelle. D'accord? Ce n'est pas gênant. Donc ici, c'est des 32 pages. 17-22. D'accord? Donc je vous montre. D'accord? Donc ici, vous avez la marge. D'accord? Il ne faut pas écrire ici. Ici, on n'écrit pas. D'accord? Vous avez vu, ça c'est un peu la même chose. D'accord? Donc par exemple, ici, si je veux faire le. Si je veux écrire cette première phrase, d'accord? Le J ici, sur le cahier, je vais faire comme ceci. Et je fais le E. Vous avez vu? Donc en fait, ici, vous avez un guide. Vous avez des lignes. Donc ici, les petites lettres. Elles doivent être à la même hauteur. Et les grandes, elles sont ici. Je vais faire la première phrase pour vous montrer, d'accord? Espace le S, le U, le I, le petit point et le S. Espace le E, le N. Espace le T, le R, le A. Le I, le N, c'est 2. Le O, avec la barre qui descend, le E. Espace, le R, le E, le G qui descend, le A, le R, le D, avec la barre qui descend, le E et le R. D'accord? Donc en fait, si vous utilisez, si vous voulez faire sur un cahier, je vous conseille ce type de cahier. D'accord? Donc ici, ce sont des petites lignes qui peuvent vous aider pour l'écriture. Donc ici, la marge, on n'écrit pas. On commence ici. Voilà. J'espère que ces nouvelles lignes d'écriture vous ont aidé. Je vous dis à très bientôt.